Je m'appelle Fidel Ponce-Cana, je suis artiste peintre d'origine péruvienne. J'ai commencé pour la peinture depuis que j'étais enfant, j'ai fait des dessins. Toujours mes parents, mes grands-pères m'ont donné des gouaches, des pinceaux, des choses comme ça. Après l'école secondaire, j'ai décidé de faire l'école d'art à Monville. Sont 6 ans d'études. J'ai commencé à faire la peinture, ça c'est déjà 23 ans que j'ai fait la peinture. Et d'accord à mon formation, mon style de peinture c'est très académique, avec la technique très orthodoxe, comme la technique du cycle 18, mais le thème c'est plus contemporain. Le thème, mon sujet à travailler toujours c'est le corps féminin. Et les couleurs que j'utilise, ils ne sont pas classiques, de ce côté j'utilise plus les couleurs des discothèques, les couleurs de la lumière de néon, des choses plus contemporaines pour donner un contraste entre l'ancien et le contemporain. On utilise les couleurs pas directement comme matière, on utilise les couleurs pour couche, comme une espèce de trouver l'effet dans la rétine, pas dans la toile. Ce sont des couleurs optiques qu'on travaille lentement pour donner la vibration que tu veux faire. Pour donner un résultat à chaque spectateur, un effet différent. On peut trouver d'accord à ton sensibilité. Ils ne sont pas à couleur directe. Qu'est-ce que je peux dire de mon peinture? Je travaille de façon très académique, très réaliste. Vous pouvez voir comment je travaille le visage. C'est comme une technique plus que photographique. Ça s'appelle hyperréalisme. C'est travailler plus de détails que la même photographie. Je travaille des modèles vivants. Je trouve ici vraiment de belles modèles. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait un artiste qui travaille comme ça? C'est juste un mensonge de la nature. Ce n'est pas directement la vraie beauté. Mais un mensonge que ça marche. Je suis Fidel Ponce-Cana, je suis un artiste de Rao.